Congo Live Télévision, tu écoutes un abino et sous la mokolo, elle est là pour que tu partages bah, sujet et puis information. Ils allient dans la République démocratique du Congo, tu le bakambo kawo, ils allient mbo cannabis au Congolais, ceux qui étaient mbo kawo, tu zangi yango, tu kozala bavagabon, tu kozala na esika, tu kokendete parce que mbo cannabis ils allient République démocratique du Congo, oyo Congolais nyon, ils allient na makila na yango, na aden na ye et bongo affaire yambo cannabis, ils allient yambo cannabis, ceux qui tikala yambo cannabis, voilà, les lo oyo to comme malabino ba velléité aux ali koleka bongo na kati ya République démocratique du Congo, situation sécuritaire et ya parti est ya mboka na biso to moni bongo était na réunion to na sommet o était ko salema to moni boycott lolenge kani Paul Kagame a boycotté na eko ya na sommet to moni Museveni a boycotté ko ya na sommet kaka le président Ruto nde azalaki wana bongo na kati ya réunion wana ba proroger encore jusqu'au 8 septembre mandat ya EAC na kati ya parti est ya mboka na biso ba congolais ba gangiral bol nyonso na tokoye ba ngone émission na biso ya lelo lelo oyo toli ko pousa na déjà pene pene ya maponami maponami oyo ezali koningisa un peu classe politique ba susu bazali d'accord pona maponami ba susu bazali d'accord te banani bazali koloba bosolo na kati ya émission na biso ya lelo elongo na mwana mboka trésor kalala ya azali bon cadre ya AADC et naye tokobeta masolo Italie situation yo soli koleka na kati ya République démocratique du Congo mwana mboka mbote nayo mbote mingi ndeko Olivier mbote na balandi nyonso mbote na ba membre ya parti politique nanga Alliance pour les actions de développement du Congo AADC na mukuse oyo ekambami na mwana mboka madame Adèle Kabena oyo ba pesie kombo ya sika grand pays à cause ya vision na ya mulai pe lecture na ya politique ya mboka na biso ndenge zo kendele na kozanga pete ko pesa mbote na secrétaire général maître Eloy Kupa oyo azo kamba parti na biso mikolo nyonso oyo tozo benga général des troupes à cause ya organisation na ya à cause ya confiance na ya oyo azo pesa na ba jeunes pe na ba jeune fille pour que parti na biso e kende liboso. Donc na banzi ke tokolekisa ngonga malamu awa ete batu oyo bazolanda biso bakozala vraiment édifié na émission na biso. Voilà, na banzi ete mwana mboka situation li koleka na kati ya République démocratique du Congo, ba Congolais bazali komituna ba question, situation ya est ya mboka na biso zali boni boni. Bon, il faut koyeba ke situation ya est eza makambo e bandi lelo te. Tout a commencé en 1994. On s'est rappelé dans l'opération Turquoise, lorsque les réfugiés ont eu la guerre en Rwanda. Alors, l'ONU et pensé qu'il y avait un couloir moko, ils se réfugiés, ils ont eu la République démocratique du Congo, notamment la province de Biso, il y a Nord Kivu. Alors, malheureusement, comme il faut que le Congo soit victime de complot international, Bandakala Mindele balingaka ke bakabola biso balingaka te ke tozala uni afin que bango babandaka koya kozwa ba ressources minières na biso yango wana ezala ki plan na bango bakoti si ba réfugié mais malheureusement na kati ya ba réfugié wana il y avait aussi des soldats ba biso bazala ki na mandoki et voilà plus le temps passé babandi ko semer des ordres nyonso wana mais beaucoup plus siko na lobaka officialisation sikoyo il y a insécurité ou il y a occupation rwandaise notamment na SRP démocratique na biso ezalaka na 1997 l'ère Mzee Kabila zokota parce que batu wana balinga kokota na mboka na biso pe bazalaka na alibi ya kokotela te alors cette fois là ye akotisi bango officiellement ti na Kinshasa banome ti na chef d'état major général n'est-ce pas rwandais banomé l'autre ici ministre y a affaires étrangères Bizi Makara rwandais et pas si à congolais sikoyo et bandaki depuis mkolwana tilelo yango moni sikolaire mwana mboka Félix Tshisekedi a eu pouvoir moni que azola la té azo bunda butu moi azo lukaba solution ya ndenge nyonso pour que tomeka ko silisa insécurité wana sans oublier que eloko wana ekosala lelo même ba 30 ans
que le président va se succéder, mais bazo si sangote. Alors mon amboka et longo na ba far d'essai et longo na peuple yambalo balobi il faut aussi li sango malamoko. Yangwa nozo mon président de la République azo sala nyonso, azo voyager, azo consulter, azo meka toutes les techniques possibles pour que makambwana ici là. Donc bande kona biso ya est ba souffrir mingi, ba kufi mingi na banza ke avec le président de la République solution et comment on a. Voilà, solution et comment on a. L'olenge kani, mon amboka lelo, oyo Paul Kagame, a sali point de presse na ye, et zalaki bongo deux semaines passées, et si kawa pia lobi ete, a zali déterminé yako récupérer Mabele oyo, et zali na kati République démocratique du Congo, a annexé yango na Rwanda, lelo oyo, parti ya est et amboka nabiso. Dans 1884, tu es bien, Rwanda existait, quand tu es RDC, tu as existé. Alors, ma belle Paul Kagame, azali ko réclamer, et où tu as mon amboka. Wana, eza ndoto ya baba. Eza ndoto ya baba, d'autant plus que tu es baka que, ba Rwandais, depuis la nuit des temps, balinga kabazo a parti est, République démocratique du Congo. Mais je ne pense pas que ma kamwane koko kisama, parce que peuple congolais, eza vigilant. Peuple congolais, ezali sous peuple congolais oya kala lelo batu bafongoli miso surtout avec régime oya sika ya Félix Tshisekedi oyo azo tanga Rwanda nommément plusieurs fois na ba plateau azo kendeke bangonde bazo agresser biso et derrière na ba propos wana komona ke Kagame azo komifunda ye moko parce que kala nyonso wana ya lobaka ke non wana ezalaka makambo interne insécurité wana ezaka ba rebelle ezaka problème interne Rwanda za nakati kunate mais maintenant na ba propos wana a s'accuser a mifundi devant la face du monde que ye mutu azalaka sima ya makamu nyonso wana ezoleka na est donc ezali susu kolanda ba FDLR te a sikoyo ekomike akomi ko réclamer Mabele or Mabele na biso bakatango depuis 1885 na conférence de Berlin. Et puis, l'Afrique est dans la limite depuis 1885. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'un certain Kagame peut venir modifier la carte de la République démocratique du Congo. Donc, dans le lobby, et aussi, dans le monde, peuple congolais est debout, va faire des choses debout. Félix Tshisekedi est à côté de l'EMA. Donc, je ne vois pas un Kagame venir modifier carte de la République démocratique du Congo, où il y a tracé depuis 1885. Voilà, mon nom Kalelo, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il y a tourné, périple, Mobimba, en Europe, en Asie, partout, pour nous ramener. Kimia peut la solution dans la partie Est et en Boko Kanabiso. Mettons comment la communauté internationale a zali agir en faveur de la République démocratique du Congo. Est-ce que tu as toujours compté la communauté internationale pour la situation Est et en Boko Kanabiso? Bon, il faut que vous République démocratique du Congo a zappé moko ya communauté internationale. Malheureusement, na kati ya communauté internationale wana, il y a ba pays oyo ezo linga bonheur ya congolais té. À la place ya communauté internationale, j'aurais bien voulu que olobande certains membres ya Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, bango wana nde bazo linga té. Que Congo ait évolué et puis makamuna bango wana ebandi lelo te. C'est depuis la nuit des temps okomona ke bamboka wana ezakaka na maboko na bango na République démocratique du Congo. Moi je crois que Congo est koti ko vivre comme un état à part toza la communauté internationale d'où il faut coopérer. Mais le bonheur du Congolais sortira du Congolais lui-même. Il ne faudrait pas que tobwaka miso na bapaya et surtout que Bandakala ba décevoir Gabiso. C'est comme ça que tu verras avec l'arrivée à président de la République Félix Tshisekedi et loko liboso a bandina nous ko entretenir armée. Parce que l'ère na zolo ba libération, libération na biso ko utana ba tumi balé. Eza peuple na armée na biso. Alors, to bandina nous ko bongisa armée congolaise. Au moni ki recrutement uti ko salema awa plus de 50 000 jeunes ba ki ko s'enrôler. Félix Tshisekedi abundi embargo e bandai ko pesé sur biso balongoli yango lelo tozo somba mandoki et ce n'est pas ici pour moi l'occasion ya kobanda koloba combien de mandoki to sombi ba type nini quelle quantité mais faut koyeba que embargo ba lever yango président de la République azo somba ba arme ba militaire na biso baza na formation donc nous sommes en train de nous préparer donc comme la paix c'est sur la durée Ndenge biso babundisi biso depuis 30 ans et ce n'est pas dans 4 ans
que Torosili Samakambo est banaki depuis plus de 30 ans. D'où nous sommes en train de planifier pour que lorsque Toko lance ba hostilité na biso, Toto soit victoire malamoko au lieu que Toto tâtonne. Donc, insécurité Zali. Mais tozo bunda pour que tout s'y voilà, Lelo Oyo, porte-parole, il y a forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a la sali point de presse, à l'obiété. Lelo Oyo, RDF, Oyo, Ebani Bongo, armée rwandaise, a sali coalition à M23 pour que attaquer Goma, bako isa Goma. Lelo Oyo, moi, nambo katomoni ete, hier, tomona ki déjà l'olenge kani, bande kwa RDF coalition, ba attaquer tomoni 11 morts, basili ko koufa. Est-ce que le lot Oyo doit compter la force ya EAC na partie est ya mboka na biso? Na ko répondre sur deux volets. Il faut ko yeba nanu ke Goma ndenge zawana ekotika la jamais ko koya na maboko ya bambuna. E ko koya te parce que population ya Goma baza ba distraité. Awa na lingina rappeler makambo Oyo colonel moko alobaka l'air Bunagana ekoya. Ebi saka population ya Goma ke batelema mibali basi bana ba mama batelema mutu nyonso azala na eloko nyonso oyo amoni ke bomaka oyo azana lichette simba lichette oyo azana mbelia simba mbelia azana nzete simba nzete pour que to barenze la na monguna population ya Goma ezeve armée na biso baza makasi alors wana eza ba menace c'est depuis la nuit d'état balinga rabazo ya Goma oyo tozana 2013 tozana 2023 Goma ekokwe ya te. Parce que FRDC Azali, population Azali, Félix Tshisekedi Azali, Goma et Koko Yate, ils sont en train de faire des menaces. Et ceux qui bah meki, cette fois-ci, au commandant que FRDC qu'on repousse Bango et derrière Toris Rwanda, toi annexé même Rwanda na Congo, toi zonga nenge carte zala kakal. Donc Yambaloyo et aussi Malisou Souté. Parce que autre temps, autre mœurs. Pourquoi Bazo attaquer? Parce qu'ils savent que cette fois-ci, ils auront affaire à une résistance farouche, très dangereuse même pour le Rwanda. Donc moi, je crois que la population doit être calme et ne pas céder à la panique, à être prêt que ceux qui battent là-bas, meki, là-bas, soldats, là-bas, civils, bisous, soit toko compte dans la champ de bataille, toko bundi sabangou, on a dit toko punza bango libanda. Voilà. Est-ce que toko mona te que Nicolas les ali kouya ou parce que tous ali déjà na mois ya juin ici kawapi mandat ya et force régionale ya EAC ici ici là qui mais na katia sommet ya état ya ba membres ya ba pays union soit EAC basili ko renouveler encore jusque oui septembre prochain mais tout comme on a déjà que le 15 awa force ya sadek et kokita na ba coalition wana ezali ko salema lelo oyo na partie est ya mboka na biso to vivre ba période to ba moment ya temps forte ya agression to agressivité au sein population na biso mona mboka omoni makambo ya force régionale wana batu bazo comprendre Félix Tshisekedi dit. Félix Tshisekedi a une longue portée politique pour les Kabatou Bélé. C'est là que même réside la maestrie de Félix Tshisekedi pour comprendre la politique na été. Nous savons que le pays voisin a été en train de se pays voisin a été notamment le pays à l'Est. Il a été en la richesse. Vous allez comprendre. Mais mingi a joué à l'hypocrisie. Alors, lorsque Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, Makambwana to aussi disango par palier. Et l'on quoi liboso, oui bien ça na ba règle na droit international que ba conflit et ko kiko régler pe na et ko kiko se régler pe na sous-région et ko kiko se régler pe na région et ko kiko se régler pe net biso na Afrika wa na Union africaine. Donc il faut tokende palier par palier. Nous sommes agressés par l'un de nos pays voisins. Voilà. Alors net ya ta Bible lobaka, ce que osana likamuna ndeko nayo. Il faut au solo linaé. Ce qui boit canité, obéi deux ou trois personnes. Ce qui boit canité ango, obéi batano. Voilà. Rwanda azo bundi sabiso. Tshisekedi est allé vers Kagame plusieurs fois. Abengi mon frère, n'engito solo là. Bah signer même bah partenariat de développement, bah accords commerciaux. Tout ça pour pousser à notre ennemi, Atianase, tout vivre ensemble, tout se développer mutuellement. Mais ayo kité. Alors, nous avons des voisins. To yebi ke bango pe ba inarabiso. To zana ba Kenya, ba Soudanais, ba Ougandais, ba Burundais. To kei ko solana bango. Nenga moni boye Rwanda zo sala boye. Bo sala nini? Boye akokote. L'air ba ye ba koti. Michel zala ki ke, ba tia pe. Mais malheureusement, to constate que l'air ba koti, ils n'ont rien fait
du tout. Il y a contrat au Yondenge, Bayo Kanaki. Là déjà, la technique c'est quoi? C'est Tshisekedi a accusé cette sous-région aux yeux du monde que Tala Bangope, Baza Bayenemi, donc Abimisi Bango l'empoisa. Donc Bayo Babandaki Kobatama, notamment Ba Ougandé, Ba Kenya, Ba Soudané, les gens Babibi l'empoisa que Bangope, Baza Laganini. Banviaka Congo parce que quand tu connais le monde ils ont ça selfie bazo solo là bazo yambana et tout voilà donc bah accusé bango que bon moni na bengisi bango poto si ça makambo donc bango peut basala kanini banviaka biso donc c'est une accusation internationale bato bazo comprendre te ah sikoyo to bengisi sikoyo Sadek on comprend Sadek to bandi na eloté Sadek to bandi na kala depuis ba massacre et depuis depuis bah 2000 bah 2003 bah 2001 tu ébique et épée à quand on ingisa quand même l'okito et longo na Laurent Désiré voilà ça date aux alaka na bas Zimbabwe ou bah sud-africain bah Namibien et tout bah y a qui paie bah paie ça qui apporte na bango y a quoi te recourir les sous-sous et pas à Sadek. Est-ce que mais est-ce il faut savoir que moyen qu'on recourir directement au lieu y a quoi qui n'est non et pas à EAC. Non mais y a quoi ce que Kinga bien EAC wana il fallait qu'on bimisa bango l'empoisa. Il fallait qu'on accuse la face du monde que Tala Bazo. Parce que ceux qui ont accusé Bango ont été sans preuve. Accusation aux anasensités. Il fallait Totia Bango na sac. Aussi longtemps. Na sac et accusation. Il y a un mot que Bango wana, Bazape complice. Il y a un ennemi. Donc, ah, il y a un ennemi en poisson. Aussi longtemps que l'opposition a dit que Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, Bango a interpellé Félix que côté na Lisanga wana te. Parce que na carte Lisanga wana na article 4 et la charte de Lisanga, il a dit qu'on permettre l'État ou Bazali Nzinga Nzinga de partager quand même commerce, de partager ma belle. Non, de partager ma belle. Ce sont des transactions, il y a un mboka. Même voilà. Pour partager ma belleté. Il y a un mot dans le Bible, politique a fait ce que tu vas pouvoir comprendre en côté. Politique a fait ce que tu vas pouvoir comprendre en côté. L'élo Félix Tshisekedi a bimisi dans le poisson même communauté internationale. Aux autres communautés internationales. Notamment parmi les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Notamment France. France a zoboya qui a levé l'embargo. A bimisi dans le poisson. Hypocrisie n'aie l'élo et s'il. États-Unis, ami Ben a toujours partenaire privilégié. Mais peut-être que son mandat qui tombe bunda, azo s'abstenir. Grande-Bretagne, azo linga azo ceux qui va réfugier à Wapi, on a appris c'était des terroristes. Acha bango kaka nanini na Rwanda pour que ba déstabiliser biso. Donc, ba plan yon son machiavélique. Plan yon son akindo ki we banda ko za la orchestrer banda longtemps. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi abimisa ngona kwase. Yango force ya EAC wana. Ba banda ko pekisa e. Mais boko funda bango ndeni. Donc, lelo Nengezaboué, on a montré à la face du monde que le Congo n'a pas d'amis. Même ses voisins, Bazo Lingayete. Aujourd'hui, au moins, on a des preuves. Bayaki n'a mort en abus au contraire, il y a 6 mois. Durant 6 mois, ils n'ont rien fait. Alors, tu as prolongé les sous 3 mois. Et je suppose que dans les 3 mois aussi, bon, ça, les locaux côté et après, bon, donc là, c'était pour montrer que. L'utilité, voilà. Aussi longtemps que Bazo sans les locaux côté et changement, il y a tout le monde en a ah ouais, Oyoki, papa, c'est la stratégie politique, il faut qu'on comprenne la politique. Ah, Olobi, RDF, Bazo, préparé, assaut. Bah, ça, les coalitions, on a M23. Voilà, pour prendre la ville de Goma. On comprend. Mais la force de CAC, Ezawanat. Ezali, sur place. On comprend. Mais va croiser ma boucle. C'est la technique. Alors, si ces gens-là attaquaient Goma pendant que force à CRC Ezawana, vous comprenez ce que ça va donner. Donc, Eza piège, Eza guet-apens. Bino Bozawana, mais comment les autres lancent un assaut contre Goma. Ce qui est au Bengani Bango Lelo, on comprend. Et que, guerre et bandit, non, c'est parce que va Bengani Bisso, voilà, il y a une guerre. Et continuez. Bino Bozawana. Donc, vous devez stopper ça. Donc, c'est dans la stratégie. Ils doivent encore rester là pendant 3 mois avant que force à Sadek. Parce que Sadek aussi, tu as observé Pebango. Alors, lorsque tu as aussi l'Isabaré Kounion Soana, donc là maintenant, lorsque force de Seko côté à terrain, et Bandi Bitumba, et Kotiti Navana, là, on va condamner Moutouté. Et ça, on va condamner Moutouté. Au fond de Vita, on va condamner. L'homme, si vous soyez. Abetu nzete, bi bomoni abetu ngai sunzete. Hotel bi baba, aboki lyo soyi bi. Hotel aboki linga soyi. O fundi ema, mena mukolo yoka. Mukolo yo ko beta ye. Soki muto linga lo baba te quand même, abeta ke mbata. Abetu nzete, aboki lyo soyi. Donc ye akozongi sa te. Donc moni ke batu nyonso ko pe so raison. Yango politique a tiseke dazo sala. Rwanda zo yaka.
Force assez et assez ayé au Sadek ayé Monisco Azali bango so bazo mona bo pesanga solution moi no azo tumbolanga Rwanda oh bo pesanga solution la oh té yo to continue d'abord les jours où on va se fâcher les jours où sikoyo on va mettre batterie en mato bibon sikoyo monde entier et monique to bengi sagi EAC to bengi sagi Sadek Monisco Azalaki solution et mona na kité donc ndenge biso moko siko to zui responsabilité que to bunda muta ko condamner biso te parce que kozo Rwanda ça va pas prendre deux mois c'est une histoire de jours aussi longtemps que aussi longtemps que Kagame s'est présenté comme intouchable comme le super sniper les héros et comment on a donc lokola c'est lui le maître du jeu c'est une illusion il y a ngwana tshisekedi qui n'est malé mais parce que Kagame a un soutien il y a ba britannique il y a ba américain il y a ba français Azana soutient wana. D'où toko betemba la morote. Sinon ces gens-là viendront non. Oui, que Rwanda s'est victimisé à Mingi. Toza minoritaire. Nous sommes un petit pays. Nous sommes marginalisés. Y a moins de protection. Mais azoti kate kotumbo la République démocratique du Congo. Alors il faut tout fondre ma casse. Donc ceux qui ba voie de recours nous sommes épuisés. Alors là ceux qui t'ont eu ba responsabilité à biso amen. Tobandi ko betaye mutawaya koko tate. Parce que au moins le monde entier à moni ba démarche nyonso to sali to arrivé ti que même or na biso e banda koza la raffiné de commun accord na Rwanda même si malgré la République démocratique du Congo a pèsi na main d'œuvre na Rwanda parce que or et que koza la raffiné na Rwanda et ko créer né misala na Rwanda mais yoka ya mona lobby le prix écoutez la paix n'a pas de prix comme pour dire on a tout fait comprendre l'opinion internationale a observé. Donc, on a tout fait avec le Rwanda. Tu peux même dans la main d'œuvre de Ngolobi. Tu fais même dans le bureau de Bango, il y a Rwanda R. Vous comprenez? Tu es Kuna. Tu es aligné sur ton lignée, tu es là pour que paix et zong, la paix n'a pas de prix. Si le prix de la paix, c'était qu'on raffinait or, qu'on s'y raffinait alors l'or, mais donnez-nous quand même la paix. Mais et si Mbikate? Tu es bien ma voisin. Et si invité, ton bengi ba voisin lointain, ba Sadek, et si invité, Monusco Azawa, et si invité. Là, c'est pour accuser tous ces gens-là devant là, l'opinion internationale. Jour RDC, qu'on va d'accord frapper Rwanda. Attends, mon tout le monde, on va dire, non, pour la nuit, on va frapper, parce que, bon, moni, j'ai fait tout. Et si invité, si quoi, tu ressens la nénine. Il faut tomber ta bango. Le lo PPR da Koloba et Félix Antoine Tshisekedi a kosa la diplomatie agissante et ali agitante. Le lo oyo nous on dit kosa la ba périple voyage pour na retour ya pe mais peso zonga raté. PPR da est très mal placé pour na kosa la critique wana. Le PPR da est très mal placé. Le PPR da ne peut pas dire ça d'autant plus que bango nde ba memela biso makambo oyo. C'est PPR da sa prolongation ya Afdel. PPRD, c'est la prolongation de l'AFDEL. Donc, le PPRD est mal placé. Et ça, le cas là, nous avons un pelissimoto à Awa. Et puis, nous avons un bomamoto. Nous avons un bomamoto. Nous avons un bomamoto. Non, moni, nous avons un bomamoto. Bomamoto. Donc, le PPRD est mal placé. Je ne peux même pas m'attarder sur ça parce que, bangonde bayaka na batouana, bakor na bango ba signé na PPRD. Mais, kopé sa bango 300 km. Notamment à côté à l'est, Bakoti Sakia, renseignement rwandaise, et sillonner les neuf frontières avec nos neuf voisins. Bakoti Sakia, bah rwandais, na administration publique, na armée, na gouvernement, na parlement. Donc, tous les mal que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la malédiction, la mort que nous sommes en train de constater aujourd'hui dans Mboka na Biso, c'est le PPRD. C'est le PPRD avec Kabila. C'est eux qui ont plongé ce pays. Tozo vivre lien et à cause et à effet. Tozo vivre héritage. Oh, bango batiki mboka na biso. Donc, je vois mal que quelqu'un de PPRD aya kopesa toli par rapport à Makambwagi. Il doit avoir honte. Ma propos, il y a quand même un communicateur. Il y a PPRD. Moi, je suis à Tchibin. Et si Kabila a oublié, maintenant, il doit pèse maintenant pouvoir en place. Il faut assumer responsabilité. Il faut accuser. Bon, la personne que tu cites, moi, je ne la connais pas. Mais moi, je vois PPRD, je vois Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila et ses acolytes qui nous ont plongé aujourd'hui dans la situation où nous devons vivre les lots. Ce qui les lots guerres dans le Congo, c'est à cause de Joseph Kabila. C'est lui qui a accepté Makamba Brassage.
Il y a pas mixage, il y a pas réinsertion. Il y a 8-15 personnes autour, n'a été pour amener Mboka. On s'en fout, mais c'est lui. C'est lui qui a accepté Baba mixage. Bazui ba Rwandais, bako c'est l'armée congolaise. Brassage, c'est quand la technique aux ba Rwandais, kokol tsabango na nani. L'armée congolaise, oh réinsertion. Et c'est qui qu'on soit barouandé, qu'on soit barouandé, qu'on soit barouandé. Aujourd'hui, nous avons des généraux rwandais, des colonels, des majors, des généraux au caporal, na ligne mobimba. Il y a des rwandais, na fonction publique, il y a des rwandais, na assemblée nationale, na biso. Il y a des rwandais, là, besoin pour la Mwanga Tchoutchou. Il y a des rwandais là-bas. Mwanga Tchoutchou. Na gouvernement. Comment expliquer que avec Kabila, ministère net, il y a décentralisation. Vous comprenez, affaires coutumières, on donne ça à un rwandais. Vous prenez ces messages-là, vous donnez à Robert, un Rwandais. Dans le Parlement, tout ça là-bas, Nyarugabu, tout ça là-bas, Mwanga Tchoutchou. Donc, tous ces gens-là, ce sont des Rwandais. Est-ce que c'est Tshisekedi qui les a amenés? Kabila fait que notre pays soit dirigé par les Rwandais. Lelo Félix Azobunda, pour que Azongi Samoka Nabiso et Maboka Bakongolais, a commis Mabé. Parce que ça fait 18 ans, même pas 18 ans, 22 ans aussi longtemps que nous sommes dirigés aussi, par les Rwandais. Aussi longtemps que le secrétaire général, il y a PPRD, Chadari, a lobby été. Depuis PPRD au pouvoir, bah, qu'on dirigeait Mboka, tout ce qu'on a commencé que. Parti moko ya est to ya mboka na biso e kende na mboka ya mosusu ya bapaya mais lelo oyo règne ya Félix to komona ba parti mosusu e ko kende na maboko ya nani mboka nini to ko kabola administration na ba Rwanda mboka nini e na mboka bapaya mboka nini na kuweke na mboka bapaya Bunagana e est-ce que e kende na Rwanda mais administration ya Bunagana ezali partager na ba écoutez faut pas faire des affirmations graves. Bunagana c'est en République démocratique du Congo. Rutshuru, c'est la République démocratique du Congo. Ce sont des territoires que l'ennemi a réussi à occuper comme Okipaki Goma en 2013. Vous comprenez? Mais est-ce que Goma est loin de la République démocratique du Congo? Non, Bunagana, c'est un territoire congolais. Rutshuru ou Kiwanja, ce sont des territoires congolais. Nous allons nous battre et nous allons récupérer ça. Mais nous allons récupérer ça. Même Kichanga, l'administration est partagée. Nous allons récupérer ça. Sans faire des concessions suicidaires, Nenge Bango Basalaki, pour qu'il va récupérer Goma. D'ailleurs, c'était du théâtre. Parce que le pays était dirigé par le Rwanda, par les Rwandais, depuis tous ces temps. Donc, que le PPRD se taise, notamment dans Makambo, il y a insécurité, parce que Bangonde va permettre que Mboka Oyo soit dirigé par un Rwandais, et que les Rwandais vont se faire nyonso. Il y a Mboka pour que les autres vivent en malheur. Mboka zena maboko ba Rwandais, Félix Tshisekedi azo bunda pour que azo ngisa mboka na maboko ba Congolais. Et c'est pas facile. Bino moko bozo mona ke, c'est pas facile. Mais on ne va pas laisser tomber les bras. Nous allons nous battre jusqu'à ce que ce pays retournera entre les mains de ses dignes fils. Voilà, le pays retournera entre les mains de ses dignes fils. Ezali mboka oyo ya ba Congolais, ezali mboka ba Rwandais, teto koloba alt au Rwandais. Ezala Rwandais, ezala Paul Kagame toko chasser yo na République démocratique du Congo na kindokina yo nyonso na makambo na nyonso. Ezala na musi kalelo mona mboka to betano na solo etali lelo la vie politique ya République démocratique du Congo. Lelo oyo est-ce que ba opposant d'abord toko tano na ligné wana ba opposant lelo ba bi été pouvoir en place et ko sala acharnement l'écolo ya opposition ki situation wana yo moni ndenge ni mona mboka opposition nani a lobi bongo opposant na mboko tangila ngana no bakoma ba opposant mona tozali na délice sanga opposant Martin Fayulu, OK, Moïse Katumbi, Matata Ponyo. Et puis, tu as les autres. Oui, bon, tu as dit que Matata Ponyo. Dans ce pays, je ne connais pas un opposant qui s'appelle Matata Ponyo. Mon amboka. Il n'existe pas un opposant qui s'appelle Matata Ponyo. Moi, je ne le connais pas. Nous avons affaire à quelqu'un qui fuit la justice et qui va se cacher dans l'opposition. Mais justice, il y a un mot qui va vomir. Trois fois, il y a un mot qui va vomir. Dans le lobby, hein, il n'existe pas un opposant Matata Ponyo. C'est un fugitif. C'est quelqu'un qui va se cacher dans l'opposition pour que Mkolo Baro Simbaye a gang qui acharnement. Il n'est pas opposant. C'est qui une opposition? C'est quoi une opposition politique? Et quand est-ce qu'il a été opposant? Donc, il faut arrêter la distraction. Nous avons autant à Martin que non à opposant. Bon, oui, il peut être opposant. Il y a un opposant, mais il y a un opposant, un résistant. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas d'opposition. L'autre ici, c'est qui? Denis Essanga.
Non, mais on ne peut même pas s'attarder sur ça. Tu sais que c'est un ancien rebelle. Il a les sangs des Congolais entre ses mains. Il a été colonel dans les RCD. Il a tué les gens dans ces pays. Il a les sangs des Congolais entre ses mains. Donc, les Amoutou. Azali Bongo, député national. Donc, Kotang a été. Mais, député national sous régime, il y a Kabila. Quand j'ai dit que Kabila causait le mal dans ces pays, bon, c'est Kabila qui a fait de lui. Qui a été encore réélu en 2018 pendant la. Mais il y a un lobby. Mais ce sont les députés que Kabila nous a laissés. Des anciens rebelles. Il a les sangs des Congolais entre ses mains. Donc aujourd'hui, parler de l'opposition, je me demande, il y a quel opposant? Vous parlez de Moïse Katumbi. S'il vous plaît. Il est opposant, il s'oppose à quoi? Parce que lui, il était à l'extérieur du pays. Félix Tshisekedi Mouta Salike, Azonga Namboka. Vous comprenez? Moïse Katumbi, il y a sali et campagne électorale, il y a Félix Katumbi est réussi. Il y a Félix Tshisekedi est réussi. Non, c'est faux, il faut le prouver. Tshisekedi a battu la campagne la plus pauvre depuis l'histoire Yambok. Bapé Saka budget na Bangwa campagne, ils ont 750 000 dollars. Pendant que les autres ont dépensé des millions. Ma vérité, il m'a dit pas payé Péro Loua. Non, Salomon est scandé quand même. Il faut pas citer de noms des gens qui se droguent avant de passer à la télé et qui racontent des histoires qu'ils voient pendant leur ivresse. Il faut être sérieux. Il doit prouver que l'autre là a financé la campagne de Tshisekedi. Tshisekedi a battu une campagne très pauvre. Vitel Kamerhe Aloba Yango, Koutou, Bakoka même pas qu'au sillonner les 26 provinces. Parce que vous avez un bon côté. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas raconter des histoires ici. Katumbi était à l'extérieur. C'est grâce à Tshisekedi que Katumbi a zoné Namboka. Mais malheureusement, avec des ambitions vraiment démesurées. Bah, ambitions vraiment démesurées, il rêve qui peut être président de la République. S'il vous plaît, moi je crois que Moïse Katumbi est bon pour le sport. Moi je le vois président à FECOFA. Nazomona Moïse Katumbi président à l'INAFOOT. D'ailleurs l'INAFOOT au monde qui est Katani, Coupe du Congo, awa, Bahiki, Kekoti, Kuna, FECOFA, la bise ça désordonné. Alors Moïse Katumbi, il est bon pour le sport. Il a une bonne expertise dans le sport. Tandenga géré Mazembe. Tandenga bongisi stade yanini, ya Mazembe. Donc, il est bon pour le sport. Lui si on le nomme président Afekofa, président Linafoot, je crois que Mboka a bénéficié d'une expertise naïe. À la rigueur, Nenga Ozolinga Rosa la politique mingi. Il peut être ministre des Sports. Koutunga na lobaki ke l'herbe anoma ki kaboulo mona kaboulo, moi je n'étais pas content. Moi j'aurais bien voulu que ministre des Sports, Azala Moïse Katumbi, parce que à cause là que Congo n'a plus ce combat là au Brésil, parce qu'il a une expertise, a yebi makambo à foot, a yebi ba meandre à CAF et à FIFA, il peut soulever notre pays et que Nemusika. À la rigueur, ceux qui a lingi ministère des Sports, il peut être même ministre de pêche, élevage, agriculture, parce que abanda ba ferme bandakala, abanda ki ba makambo ba pêche wana bakasho bwana bandakala. Donc il a vraiment une expertise, voilà. Donc moi je vois Moïse Katumbi ministre de sport, ministre de pêche, élevage, agriculture, il sera bénéfique pour ces pays. Mais tenter d'aller ne fût-ce avoir l'idée que non, on a la présidente de la papa. Moi, on a besoin de combien on a besoin de gagner. Et pèse-moi na congolais, nous sommes quand même arrivés à être président. Il faut se mesurer. Je ne veux pas aller loin. Moïse Katumbi ne mérite pas la taille de la République démocratique du Congo. Nous méritons un président de la République qui est quand même Koloba. Comment on a besoin de président de la République? Mais voilà maintenant place Bakomi Sibiso. Voilà place Bakomi Sibiso. Donc, Bolingi, les sous tous ont raison à Moïse Katumbi. Il y a des commentaires, il y a des colobates, il y a des tangates. Je ne veux même pas dire ici que. Moïse Katumbi a dirigé quand même la province du Katanga. Écoutez, il a pillé la province du Katanga où il a dirigé la province du Katanga. Lui, c'est un commerçant. Il est venu faire les affaires à la tête de la province. Mais ce durant 8 ans. Il est quand même exploit. Lokuta, quel exploit? Toutes les routes. Oh, écoutez, moi, je connais Moïse Katumbi plus que vous. Plus que même Batou Bazo Landabiso, parce que moi je suis natif du Katanga. Durant tout règne Mobimba Moïse Katumbi, moi j'étais au Katanga. Moïse Katumbi, c'est la malédiction du Katanga. Il nous a fait des routes il y a 3 ans. Baroute biscuit. Aujourd'hui, l'actuel gouverneur Jacques Kaboula a zo bandela banzela nyonso Moïse Katumbi à Sal. Yebisa biso bâtiment Moïse Katumbi à Tsiki. Quelle entreprise Moïse Katumbi à Tsiki? À part copier ba minerai à Katanga, ba brut et zo bima. Est-ce que yebi que. Ce qui est comme ça, l'exploitation, va définir un minerai qui est exploité, soit cuivre, soit cobalt. Vous comprenez? Bazuka est un minerai. Mais malheureusement, avec du temps de Moïse Katumbi, c'est que brut et bandeau est obligé. Donc, il y a un mabélé, hétérogénite, nyonso. Or, il y a un cobalt et zali, cuivre et zali, talc et zali, zinc et zali, malachite, gravier, moellon, uranium. Donc, il y a au moins même 11 variétés dans mabélé, et zo bimanamboka.
Quelle escroquerie! Ceux qui 18 heures et qui bakangi banzira bakuna matate bandiko bima. Barbar kanye bandiko bima. Et ceux qui ont des leka kolwezi likasi lubumbashi kasumbale c'est côté Zambie Afrique du Sud, bakye ko fitrango libanda. Bambango nyonso wana. Et vous vous dites que quelqu'un est venu gérer la province. Comment expliquer que quelqu'un a côté na pouvoir en tant que gouverneur, il a tué tous les opérateurs économiques. Bafaire na bango et kufi donc lui il entre dans ton domaine, il éjecte Bambongo ebele, pourquoi il s'agabino? Moïse a tekina makal, a tekina mikate, a tekina ba brique. Moïse a, donc a kotina ba domaine oh nyon soke mutaroki kokota se retrouver. Ye azo kota kuna, a bomi ba minier, a bomi ba commerçant. Donc il devait être le seul maître à bord. A tekima sangu, a tekima nyoko, a tekina nyon so. Mais et vous dites qu'il a dirigé, c'était un commerçant qui était venu s'enrichir à la tête de la province. Mais et ces messieurs-là ne méritent pas être président de la République. Moi, je suis le plus grand, je suis le plus grand, je suis le plus grand. Je suis le plus grand, je suis le plus grand. Ce qui est un article, je suis le plus grand, je suis le plus grand, constitution et PC droit na Congolais nyoso azala apostilé na présidence de la République. Soki toko soki na koka okoloba boye c'est que mona mboka trésor kala la azali pour loi ya Noel Tchani ya Congolité mona mboka. D'abord il faut qu'on corrige, il faut pas kobenga loi na loi ya Congolité. Non, ce n'est pas la loi de la Congolité. Loi wana eza révision ya loi électorale. Vous allez comprendre, notamment ezo linga kaka ko compléter article 72 ya constitution. Article 72 ezo pesa bah, critères, il y a oh, il faut être président de la République, notamment il faut avoir 30 ans, il faut avoir sa caution de 100 000 dollars, il faut être congolais d'origine, on comprend. Maintenant, Babaki si donne Yassika, il faut être congolais de père et de mère. Donc ce n'est pas loi à congolité. Et ça qu'on réservait kaka parmi les critères. Il y a cause à la présidente de la République. Donc, c'est un complément à la loi électorale. Moi, ce n'est pas la loi de la Congolité. Ceux qui ont penché dans la loi de Noël Tchani, bon, la loi électorale, bien sûr, mais au titre d'Abisso, quand même, et révisité la Constitution, Abisso, oui, mais Abisso n'a rien fait. Et qu'on a mis au temps. Non, qu'est-ce qui t'a dit que tu as révisité la Constitution, Abisso? On ne va pas réviser la Constitution. La Constitution elle-même, en son article 11, on dit que tout Congolais est libre d'exercer son opinion. Il ne peut être contraint par personne. Mais attention, sauf exception de la loi. Exception de la loi Yangwananine. Yangwana ba loi organique au Bavotakati. Constitution et Tchara Makamunyon sur la Katite. Il y a toujours des lois organiques. Ils ont complété la Constitution dans les détails. Yangwana a une partie de la loi électorale. C'est un article seulement de la loi électorale, notamment l'article 72, qui a complété. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous disons ceci. Nos frères qui sont nés d'un père, d'un parent congolais, ils sont congolais à part entière et ils peuvent tout faire. Mais côté à présidence, n'a pas fonction à souveraineté. Okay? Là-bas, il faut être congolais de père et de mère. Pourquoi vous acceptez ça à la Banque centrale? Et ce n'est plus que condition à gouverneur à la Banque centrale, il faut c'est écrit clairement. Il faut à la Congolais des pères et des mères. À la Banque centrale, vous acceptez, mais à la tête du pays, vous refusez. Vous ne trouvez pas que c'est pathétique? Mais est-ce que les alliés toujours pathétiques, t'es comme on a mouto, ils ont initié loi yango, ils ont mouto, pas d'aller là-bas origine. Non, non, si vous suivez bien Noël Tchani, être Congolais, c'est une question de sang. Donc, la nationalité congolaise est irrévocable. Noël Tchani, s'il est américain, il est américain sur les papiers. Mais dans son sang, il est de père et de mère. Donc, l'irrévocabilité... Donc, Moïse Katumbi pas Zali congolais, mais qui est mon amboka? Na lobby, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise est de mise. Yangwana yazo prôné. Donc, je peux avoir même 1000 nationalités. Mais ça ne m'enlève pas mon authenticité. Je suis congolais de souche. Je suis né d'un père congolais et d'une mère congolaise. Ce ne sont pas les papiers qui peuvent changer ma nationalité. Mais Moïse Katumbi, il a des mélanges. Il est grec, il est juif, il est zambien. Il a beaucoup de mélanges. Est-ce que vous avez que na motomoko, na motomoko côté motomoko za na ba origine belebele? Est-ce que vous avez dit moko à lobby? Non, mais écoutez, lui-même a dit. Lui-même l'a dit. Akena ki na Israël awa. Devant je ne sais pas baba notable, c'est pas mboka nini. Azolo ba kenga na zande kona bino. Il faut vous soutenir ngai. Il l'a dit plusieurs fois qu'il ne sait pas Moïse est juif, son père. Il est ici, je ne sais pas, de lien juif, je ne sais pas, et grec. Ça, donc, Azala Bamela, j'ai belé, n'est-ce pas, Azawana. Donc, il a une loyauté partagée même par quatre. Mais moi, et grand frère, n'est-ce pas, Katebe Kato, toi, Boué Kiango. Attends, toi, le banal. Mon frère. Kiango a déploré qui est situation, écoutez, est-ce que toi, tu ne sais pas que Moïse n'est pas de père et de mère? Toi, tu ne sais pas ça.
Moïse Katumbi, les Congolais, mon amour. Nalobi Boye, est-ce que tu sais qu'il n'est pas de père et de mère? Est-ce que c'est un secret? Mon amour, Moïse Katumbi est Congolais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un Congolais? Il a dirigé la province du Haut-Katanga. C'est pas ça qui fait de toi Congolais? Est-ce que tu sais que au Katanga là-bas, Yoka, il y a un député, Nazem. Oui bien, c'est un Libanais de père et de mère. A raté même coup d'État et pas là-bas au Liban. Mais il est député national, et plutôt provincial, et puis il a été même ministre des infrastructures. Et c'est ça fait de lui Congolais. Donc il faut éviter, c'est pas parce que tu as dirigé la province que tu es Congolais. Moi, non, Moka. Non, et puis moi, je doute. Koyoka, est-ce que les autres pays ont été établis sur Pézali sérieux quand même? Un pays sérieux et un peuple sérieux doit soutenir ce genre d'initiative. Et ça, quand on a ceux qui ont même la constitution algérienne, eux, ils vont plus loin. Ils disent que même moi, si Nayo, il faut avoir des pères et des mères. Même moi, si Nayo, tu vois jusqu'où ils sont partis. Pas seulement les candidats, mais même sa femme doit être des pères et des mères. Lelo. Même en Égypte, Eza Bongo. Écoutez, Yoka, Mboka Nabiso, Batouba Linga Kayangote, Mboka Nabiso, tu souffrir Mingi. D'où il faut Moutouaza na loyauté dans son entièreté pour diriger en haut. Et même si il faut que Moutouaza dirige en haut Azala d'un père congolais ou d'une mère congolaise, pas Moïse Katumbi. Mais Azala doit détenir carte d'électeur. Écoutez, Azala détenir passeport congolais. Attention, là-bas aussi il y a à boire et à manger. Moïse Katumbi était chassé ici par Joseph Kabila. Abanek au voyager n'a passeport congolais. Mais il a son passeport congolais, Namoko. Nalobi, Abanda qui a voyagé n'a pas son congolais. Ce monsieur-là, c'est un danger pour ce pays. Bilobo et Biete, Bissoba tout au vivant à Katanga durant règne Naé Mobimba. Nous connaissons qui est Moïse Katumbi. C'est le diable de ce pays. Pourquoi Babé Banana Kabila? Moïse Katumbi, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut donner même une minute. Aza la présence à Mboko. Tokoufi. Mboke Keili Bela. C'est un danger énorme. Moïse Katumbi ne peut pas être candidat dans ce pays. Ne fût-ce que je parle seulement de candidat. Tu as quand même une expertise. Écoutez, il ne va rien. Écoutez, il peut aussi élever notre économie. Il ne va rien amener. Il ne va rien amener. S'il veut amener quelque chose dans ce pays, c'est dans le domaine du sport. C'est là qu'il peut amener quelque chose. Mais il est aussi fort en économie, moi. Je dis ceci. Mais l'économie n'a pas besoin de baisse, moi, Namboka. Les Congolais vont coller la nzala, les bons vides, moi, Namboka. Économie, ce n'est pas l'affaire d'un individu. L'économie en Boka Nabiso, elles vont dépendre de la production à l'interne des athées. Le Congo a une économie extravertie. Aussi longtemps qu'on ne consommera pas ce qu'on produit, le Congo vivra toujours sa situation. Pour pallier à cette situation, vie chère, économie balbutiante, il faut qu'on bande à produire à l'interne. C'est ça le secret. Produisons ce que nous devons consommer. Ce n'est pas le problème d'un individu. Ce n'est pas le problème d'un individu. Il faut qu'on accentue les sous-sous quand il y a ma casse et c'est salawara. Il faut production et matali sous. Au moment où on est votre rapport à Kinkole, rapport à eau profonde, il faut que bateau de pêche et ya. Tout produire bambisi awa, tout l'on a masangu awa. Si tu te rends compte que le Congo achète même le cuir dans l'extérieur, même les tiges coton, naba allumette, tous sont malibanda. Donc vous prenez vos devises, vous les expatriez. Moi on a bien besoin encore à Libanda, bosse à la fort à l'internet. Pour que bosse à la fort. Voilà. Pour que tu pallies la situation, Anna, il faut te produire awa, te produire l'eau son abisso, sucre son abisso, masangu son abisso, pétrole son abisso. Vous verrez que, papa, si quoi, papa, na koya kosomba biloko awa, mon esoti kala awa, monnaie abisso est une valeur. C'est simple. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est faux. Et cet individu, pas Katumbi. Écoutez, une fois que vous autorisez que Moïse Katumbi postule, Nakutu. Ah, il ne faut pas aller à postuler. Parce que s'il ose seulement, présenter sa candidature, et qu'on a la jurisprudence, tous les Libanais qui sont en vie là-bas viendront postuler. Donc,
Abed Achoupe, en 2028, a postulé. Ce qui va permettre, Moïse Katumbi a déposé candidature, c'est que Abed Achoupe a quoi proposer. Et Zali peut déjà couloir, parce que comme on a eu Zali na Katanga, comme député provincial, il n'est pas Zali. Le quoi Zali a un mandat, il y a députation provinciale. Il peut aussi venir déjà dans le mois de juin, a tika candidature pour la députation nationale. Bien sûr, Balobi, il y a un problème. Tu es congolais, mais il y a un poste, il y a président de la République, il y a fonction à souveraineté, notamment. Président de la République, chef d'état-major général, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, on comprend. Donc, bah, poste wana, voilà, ça verrouillé. Il faut être des pères et des mères. Mais le reste de poste, tu peux assumer. Est-ce que les lois électorales, loi électorale est bimée déjà. Mais Tchania, va revisiter, on va qui ça. Va compléter l'article 72. La loi électorale est déjà. La loi électorale est allée dans mais déjà, tu as dit, dans le processus, tu as déjà vers ma Ponami. Alors, ce qui est loi Tchani, tu as dit qu'on vende là, ce qui est l'équi, est-ce que, et qu'on a là dessous des cartes Dessous des cartes, c'est quoi? Quel dessous des cartes? Qu'on épargne moi dans Mboka. Écoutez, donc Mboka Mobimba. Qu'on a peut-être les lots Oyo, parce que même Oyo Azali, même Kombe Koya, qu'on a bangonné sur des côtés. Olivier, donc yo, 100 millions de Congolais, ne basons pas tous à 100 millions, tous à la prise en otage par un individu. Parce qu'il s'appelle seulement Soriano. Ça, c'est quoi ça? Donc, 100 millions, toi réfléchir, toi protéger Mboganabiso, tout simplement parce qu'il y a un individu Soriano. Est-ce que tu sais que la constitution zaïroise, il y a un père? Et Bandaki Koloba, qui ne peut être président, il y a un père. Le président Zaïre, c'est lui qui est né d'une mère zaïroise et d'un père zaïrois. Moïse Katumbi, à ce temps-là, il était là. Donc, Mobutu voulait expliquer qui à ce temps-là? Donc arrêtons d'abrutir les Congolais. On ne peut pas tous être drainés par un étranger qui est venu au pays pour faire la pêche du poisson. A lingi mboka na biso, a continue à makambo à foot, to accepté. Lelo a continue à makambo à politique, to accepté. A comme gouverneur, to accepté. Voilà lelo yo na linga konza siko mboka mobimba. Est-ce que nous sommes vraiment un peuple? Quelqu'un qui est venu faire la pêche. Après il fait le football. Après le football, à côté politique. Après politique, à côté gouverneur. Ah, c'est quoi Zolinga de la Congo? Ah, c'est quoi le président de la République? Nous, là, les peuples congolais, tous sont à l'aïe. Moupaya. Non, on doit être sérieux. Et il est en train de mettre les troubles partout. Et il y a des Congolais qui les suivent. Bah, Congolais, bah, Zolandaïe. Mais c'est un étranger. Il n'est ni des pères, ni des mères. C'est un étranger à part entière. Voilà. Il y a un lobby qui m'a dit que a déposé candidature. C'est qu'il y a Abed Achoupe qui a déposé, les Libanais qui a déposé, les Chinois qui a déposé. C'est qu'il y a un. Il faut empêcher à ces messieurs-là, c'est un danger, c'est la mort de ces pays. Il faut l'empêcher par tous les moyens. N'infisque que seulement le fait de déposer sa candidature. Sinon, ce pays, il est foutu et on n'aura même pas une histoire à raconter à nos enfants et ça sera une mauvaise jurisprudence pour l'amour cannabiso. Voilà, les lois où la population congolaise va côté là, va côté cannabiso, na mokolo les lois, va côté au cas l'olenge kani situation amour cannabango et kokinde les mois amour ka trésor kalala na banzi et les lois où ce qui est sûr, na carte république démocratique du Congo, les lois où est-ce que population congolaise va couper sa mon amour ka Félix Antoine Tshisekedi deuxième mandat. Toute la population congolaise est derrière Félix Tshisekedi. Population est allée sous dupté, beaucoup ça bangou est souté. Population est moni contexte ni Félix Tshisekedi a joué qui pouvoir. Population moni ni Félix Tshisekedi a joué pouvoir dans contexte FCC cash. Bon moni n'est pas lié il y a deux ans na Bouzoba parce qu'il y a Batou Balinga qui cotise à pouvoir te. Ils ont mis des bâtons dans les roues dans tous les sens pour que Mboki ait mataté. Tout moni n'est ni Tobouzi il y a deux ans. Tout kavoni na bandeko, au moni Covid. Et frapper l'économie au monde entier. Après Covid, on dit que c'est une guerre en Ukraine et en Russie. Ce sont des faits oyo, et vérifiables. L'art de l'homme, parlons comme des intellectuels pour édifier les petits peuples. La guerre en Ukraine a affecté toutes les économies du monde. Si les lois ont continué, ils ont affecté en gros. Mais on ne croise pas les bras. Vous verrez que dans cette crise mondiale,
biso ba congolais to somba carburant moins cher que ba français. Vous comprenez? Pendant que bangonde ba économie à ma case. Biso awa na Congo to somba bidon à 5 litres à mafuta moins que ba français. Vous comprenez? Donc na crise mondiale oyo, nous nous sommes en train de tenir. Est-ce que tu sais qu'ici au Congo avec 5000 francs, tu peux manger? Au l'équipe peut journée, n'est-ce pas? Au coco tamalewa, au lier 3000 4000 au lier journée pour l'équipe. Mais va en France. Mais ça peut être difficile pour un Congolais de toucher 5000 francs. Non, c'est faux. Sauf que la France, avec 2 euros, tu ne manges pas. Tu ne peux pas manger avec 2 euros. Au lieté, tu ne vas pas manger avec 2 euros journée Mobimba. Mais ici au Congo, avec 2 dollars, 2 dollars c'est combien? C'est 4600 francs. Tu peux manger au lekisi journée Mobimba. On se comprend. Aussi longtemps que Congo ne va coller là. Aussi longtemps monter on est allé difficile. Des konangai. Des konangai. Les gens de ma famille belé boé. Faut pas grammatiser les choses. La crise est mondiale. Mais écoutez, il y a des pays qui sont dans des crises. Il y a Macas sur les carrefours du Congo. Kaka na moment toujours vivre boé awa. Ailleurs on ne vit pas comme ça. Nous sommes en train de nous battre. La crise est mondiale, mais au lieu que le militaire, bazo somba bango masango na 18 000 francs, moins de 10 dollars. Vous comprenez? Quand on a crise, oh yo. Les populations somba masango na 50 000 francs. Écoutez. Naiti ko yebisa yo awa. Makambwana ça se résout sur la durée. Le développement c'est sur la durée et non par un bâton magique. Est-ce que la population peut vivre toujours dans la promesse? Il faut une production interne. Qu'est-ce qu'on a promis qu'on ne réalise pas? Il faut une planification. On a promis à Wakeno, il faut to lier à Bambisi Nabiso. Si le lo, à Tambisi Moko. Ok, yo si quoi répondre le coin intellectuel? Yo si quoi répondre le coin intellectuel? Ponani ni ti le lo, Bazouli Angote. C'est pas aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt dit, Babano ton rapport. Pour Yamwan est ici déjà à 95%. Les travaux ont fini. Va à Kinko. Nous étions le samedi ici. Les Congolais, ils ont causé le mois de décembre, la fête et la fin de l'année. Il y a poisson, bon dimanche, bon Olivier, ce sont des petits débats. Ça, c'est vraiment des petits débats. Parce que ça n'édifie même pas la population. Il faut aller dans la hauteur, faire comprendre à la population. Ça, c'est un débat de la rue. Il faut faire comprendre à la population le lien de cause à effet. Le développement, c'est sur la durée. Ce n'est pas pour ça que tu as dit 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 que il faut qu'on aménage et si tu as dit que tu as dit il y a un port à Kinkole et si li. À 95% déjà, ce sont des petits travaux, des retouches à Souka. Et si li. Maintenant, il y a un bateau et il y a un port à c'est comme ça qu'on réfléchit. Les Congolais sont des témoins. Et si tu as dit président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il y a asalaka po alobaka na monoko na ete na zui fongola yako bikisa yako lesa ba congolais ouais. Mais entourage à chef de l'état ba mema chef de l'état akene ko inaugurer deux congélateurs na maluku mwana mboka est-ce que lelo oyo président de la terre unique deux congélateurs oyo ezalaki na coopération ya banani ya bato ya pêche. Écoutez, quand le président disait ça que na zui fongola c'était sur la longue portée yango wana concrétisation. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Question, vous voulez qu'on en arrive où? Est-ce que l'entourage PF et le chef de l'État, ils ont dit qu'ils ont induit le chef de l'État dans l'erreur? Batou Malamou Bazali, autour du chef de l'État, Batou Amabé Pé Bazali, il existe aussi des vrais opposants de Tshisekedi. Koutou, c'est comme ça, moi je dis au Congo ici, il n'y a pas d'opposants. Les vrais opposants, c'est ceux-là en qui le président a placé la confiance, mais Bango Bazo, ça, c'est leur vision. Ce sont les vrais opposants. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Martin, ce n'est pas tous ces gens-là que tu cites. Ce ne sont pas des opposants. Les vrais opposants sont les personnes en qui le président de la République a placé sa confiance. Mais qui, eux, en retour, ne travaillent pas selon sa vision. Bangwa n'a pas vrais opposants. Donc, je peux te rejoindre pour dire il y a des bonnes personnes autour du chef de l'État, mais il y a aussi des opposants. Il y a aussi des mauvaises personnes autour de lui. Mais par rapport à Makamwana et à Fongola, il fallait qu'au Tonga port et Sili, bientôt là, on fait les derniers travaux, les bateaux auront un endroit à accoster et puis la pêche va commencer. Donc, le développement, c'est sur la durée. Ce n'est pas un coup de bâton magique, pouf, comme dans un dessin animé, Mboke Bongi. Non, il y a toujours une planification et c'est ça qui est en train d'être fait. Lelo Oyo, le président honoraire, il y a Seni Corneille Nanga, c'est lui, tweet, à l'objet,
Denis Kadima a se lancé dans la manœuvre, il y a tricherie, il y a élection. Par quel fait? Na statistique na ye, y a ba enrôlé. Et si kawa pi grand Kivu, tozui nord, tozui tolongoli non ba parti ou ezali, tozui nord, tozui Ituri, tozui na ba secteur ou ezali pemeni pemeni. Toye awa, tozui Maniema, tozui Bandundu, tozui bisika ou nyoso yo ba zone ya tranquillité ezali. Maintenant comme on a été na répartition ba siège, même na statistique y a ba enrôlé, le nord Kivu et l'Ituri dépasse les loyaux. Na statistique. Il faut y avoir. Mais le Oyo, côté Kuna, il y a 47 sièges. Si je suis à Kinshasa, est-ce que Zali déjà. Moi, ma manœuvre est trichée. Mais oui, parce que ça me fait rire. Oui, parce que depuis 2006, depuis l'élection 2006, 2011, 2018, Tilelo, côté Wanandez, il y a une concentration électorale à Makassi. Est, il y a une partie du Congo. Mais on a déplacé au Salema. La lobby, depuis la nuit des temps, depuis la question de Mrs. Tilelo, Est, ils ont toujours dans l'électorat, il y a l'Ikolo. Moi, j'allais peut-être, je n'allais pas m'étonner si Nang avait dit non, na centre, Batché Batwebele, na le grand Kassai. Là, j'allais dire, ah, là, il a raison. Mais s'il doit se plaindre qu'ils ont dans l'Est, ne pas trouver Bele, moi, je me dis, c'est peut-être manquer des choses à dire. Parce que lui, il le sait que depuis 2006, Ezaka à côté, qu'on a dit que c'est belé. Mais pousser aussi à soupçonner que ceux qui donnent un échange, qui est comme que non, na grand Kassai. Parce que c'était ça le langage. Oh non, na grand Kassai, bah tu vas centre belé, partout, bah tu vas centre mouké. Vous comprenez? Mais ceux qui étaient na Kassai, ils débattaient l'électorat Makassi. Ah là, ça devait être autre chose. Mais là, c'est à l'Est. C'est à l'Est. Maintenant, vous voulez que Tshisekedi, lui qui est du centre, aille tricher à l'Est. Non, mais soyons sérieux. Mais parce que Azali na Vital Kamere, Azali na Bahati. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que depuis 2006, kaka coin wana ndebim sa batu belé. Maintenant, vous voulez que ça change maintenant pour que, donc, on cherche à accuser, on cherche le pouls sur la tête d'un chauve. Kuna ebim sa kaka batu belé. Babimi pekane babima ka problème. Soit qu'il change quelqu'un et qu'il y a un centre, il y a un problème. Maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Les l'opposition a co-fistigé CENI. L'opposition a déjà été l'élection. Ils ont dit le 20 décembre, ils ont déjà pour la nuit, ils ont raté. Pour la nini, le calendrier depuis que Baba publié en haut, Tilelo, étape nion, ils ont exécuté. Ils attendent une étape, mon côté va sauter. Et puis la CENI joue une transparence. On a tiré là comment on a été la CENI ou les cacal. On appelle toutes les parties prenantes régulièrement dans le palais du peuple, na CENI, pour expliquer le processus électoral. Les gens posent des questions. Maintenant, vous voulez quoi? Écoutez, ces gens-là ne sont pas prêts à aller aux élections. Ozoka, Batouana Baza prêté à venir à l'élection parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut battre Félix Tshisekedi. Bango Bazo Linganine, même tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour pousser le président de la République dans le glissement. Pourquoi? Parce que si tu glissé, dialogue est gozala. Si dialogue est zali, à l'issue, aux anini, partage. Il y a un peu de mais aller dans les voies légales pour que nous ayons l'élection. Et que, papa, tant qu'il y a un candidat costaud qui peut se tenir en face de Tshisekedi et les battre aux élections. C'est qui ce candidat-là? Nan. Ou y a Télémi, qui est Bango Bakata, dans le deuxième tour. À battre. Nan. Quel candidat? Non, mais écoutez, arrêtez des histoires. Mouzi Tukuto lui a interdit de piétiner Bandundu. Parce qu'il dit l'identité que lui porte là, c'est moi, Mouzitu, qui t'ai donné ça. Quel leader qui est sectoriel, Bandundu Kaka, ici à Kinshasa, il ne fait pas l'unanimité. Au Bandundu, il s'est frappé la poitrine, Mouzitu a lobby, cognate sous Bandundu, pe a gnatite, a gnata pete. Mais le Congo, c'est 26 provinces. Le Congo, c'est 26 provinces. Tangelanga, un candidat, na deuxième tour, baké na élection avec Tshisekedi. Qui va battre Tshisekedi? Soyons sérieux. Azate, Baye Bipe, yango zomo na manœuvre, yon soana, il faut Tshisekedi asala nini, a glissé. Yango pe opposition, tiki ba siège vide na l'Assemblée nationale, mokolo ya loi repartie. Mais c'est ça, il crée des incidents, non? Ce sont des techniques politiciennes. Bazo crée ba incident. Mais sous bassement, il y a revendication na bango. Azate, sur quand elle met ba revendication na bango, oh, il faut revoir le coup conditionnel. Nous connaissons selon la Constitution, selon l'article 158, comment juge à côté d'un coup conditionnel, comment juge à un coup conditionnel. Il faut 9 juges, n'est-ce pas? Et puis il faut 3 par composante, notamment président de la République, parlement, conseil supérieur de la magistrature. Bazar remplacé après un cycle de 3 ans.
pour chaque composante. Vous allez comprendre. Yoka na nuna si ça y est yoka. Bazo ça la bongo. Maintenant vous les opposants, vous dites au président de la République a changé constitution et plutôt a changé cour constitutionnelle. Et puis vous appelez même le peuple pas qu'il ne qu'au marché. Donc vous voyez les opposants se réunir. Bazo tina peuple na balaba là pour bâtir le président de la République a violé constitution. Kalouba n'a pas fait 3 ans. Kalouba. Zala qui est président cour constitutionnelle. Oui, Kamounet a remplacé. Non, mais je ne comprends pas. Kalou n'a pas fait 3 ans comment? Nakati a cour constitutionnelle. Ouais. Pour Zala, président et cour constitutionnelle. Ouais. À ça, les 3 ans, pour qu'il y ait Abima. Babimi, si est comme Karabou et mon amour. Non, mais Kalouba était sur les mandats d'une autre personne. Il ne faut pas oublier qu'il y avait les juges Luamba. Et Kalouba était venu compléter les mandats à Luamba. Ce n'était pas un mandat entier. Il y a Kalouba. Donc il ne faut pas faire la confusion. Kalouba était sur la prolongation. Il y a mandat, il y a juge Luamba. C'est paix à son âme, celui qui était mort en Belgique. C'était ça. Ce n'est pas qu'il était dans son mandat en entièreté. Non, il était venu achever les mandats et la constitution. Après, il y a Kalouba. Tout le monde a directement foutu l'image que Kamouleta a remplacé. Mais du coup, il y a voté comme il y a Kamouleta. Mais écoutez, président Azan a 3 personnes. Parlement, il y en a 3 personnes. Conseil supérieur de la magistrature, il y en a 3 personnes. Le président a la majorité au Parlement. D'où, ok, selon le consensus politique, on peut porter un candidat. Lui-même, le président, il a son candidat. Donc, c'est normal. Donc, sur les 9, le président a déjà la majorité sur les 6. Donc, c'est normal qu'il va influencer l'élection à Mutumoko. Et c'est démocratique. C'est légal, ce n'est pas déloyal. Vous allez comprendre. Alors, lorsque Bango Bazo Senga qui est remplacé au constitutionnel, on a une question. C'est par quel mécanisme constitutionnel? C'est par quelle base légale les lots qui seraient dans le changer le juge? Donc, ils veulent pousser les présidents de la République à violer la constitution. Ils veulent pousser les présidents de la République à être dictateurs pendant qu'eux-mêmes disent qu'ils combattent la dictature. Donc, c'est vouloir une chose et son contraire. C'est pathétique. On a une opposition faible. Même à Kambwa Seni Wana, il existe une loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ils ont défini nenini ba kota kana CENI, nenini ba bimaka. Mais bino à 6 mois des élections, bozo linga to revoir cour constitutionnelle, to revoir CENI, je ne sais pas sur quelle base légale. Donc comprendre que ba revendication vide, ba revendication bidon, ba revendication insensée. Je ne voulais pas dire des revendications idiotes pour éviter de termes durs. Moi namboka trésor kala lozali bongo cadre na kati ya AADC. Lelo oyo ozalipe bozalipe na kati ya union sacré lelo oyo moto kopela entre UDPS na AFDC lelo oyo bandeko ya UDPS balobi ete bandeko oyo bayaki na kati ya union sacré ba epoke ba etouffer UDPS lelo AADC pa zali parti malete UDPS. Non, je ne comprends pas lobby moto ezopela entre AFDC na UDPS. A quel sujet nga na moni moto anate? D'abord un sujet à Tanganyika. Et si Kawapi, gouverneur y a UDPS a été déchu dans l'Assemblée provinciale, au Kokumbama, na président de l'Assemblée nationale, limoko ya AFDC, mon pépé Bandaki a parti ya wana. Écoutez, nous sommes dans un pays démocratique. Moi, je ne vois pas s'il y a une logique qui se passe, d'autant plus démocratique. Nga na moni moto te. Yo moni moto wapi? Bahati Lukwebo est partenaire du président de la République. Il est l'un du présidium de l'Union sacrée. Il est président du Sénat. Nga na moni esika moto epelite. En tout cas, na moni esika moto epelite. Les gens peuvent échanger. Les gens peuvent discuter. La contestation politique est cause à la. C'est normal dans une démocratie. Mais aller jusqu'à dire que Montezo pela nga na moni moto te. C'est normal. C'est des bonnes guerres. C'est ça même la démocratie. Ce n'est pas dans la dictature. C'est ça la démocratie. D'où il faut même encourager, appuyer. Donc, il faut éviter ça. On me dit ici que non, parti malette, parti nanga, parti malette. C'est ok, mais naibi parti malette, c'était Elingé Lobani parti malette, et puis n'a répondre. C'est quoi un parti malette? Il a dit parti, oui, oh, il a dit parti moko ya miki, miki, et nakati ya union sacré. Ah, donc parti ya mkende babengango, parti malette. Voilà. Ah, c'est ça la définition. Bon, je ne sais pas. Au moins, nga naibi que AADC, Tobotami, effectivement, en février 2022, Tozan a eu une année et 4 mois, mais nous sommes implantés dans les 26 provinces, et puis Tozan a un siège ici en ZTT. Nous avons des sièges à bâtiments. Comme ici à Kinshasa, il faut passer à la première rue, petit boulevard résidentiel. Vous voyez notre siège est en étage à 3 niveaux. Je ne sais pas si ça, c'est un parti malette.
nous avons un siège à deux niveaux en Mbujimayi avec plein de militants comme ça aventureté. Nous avons des sièges à Congo central, dans la Mongala au Bandundu. Nous sommes implantés dans les 26 provinces. Je ne veux pas citer ici Lubumbashi. Nous avons vendu jusque-là plus ou moins 3 millions de cartes des membres. Et d'ailleurs, Ezo Bagisamakaka. Et vous parlez des partis mallettes. Alors, si c'est ça un parti mallette, je viens d'apprendre une nouvelle définition de ce que c'est un parti mallette. Voilà. Lelo, AADC et Kobongisani, ni Ponayana, ma Ponami, ou Ezali Koya, parce que tout le monde y était. Vent Ezo Kende de partout, et chacun, ma partie, ma partie, ma qu'on s'est préparé. Situation, il y a AADC, Ezali Nengeni, mon amour. AADC, Ezo s'est préparé, ma Kassi. Et d'ailleurs, Lelo, ils ont la formation, il y a des députés provinciaux ici. Nous nous préparons avec la CENI déjà. Il y a eu des séances, d'abord il y a formation, il y a candidats députés à tous les niveaux. Députés, candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux, formation, et aussi à l'élo. Donc pour voir combien nous sommes sérieux pour affronter ces élections. Au-delà de ça, nos candidats se sont déjà bien déployés. Bango Nyonso, d'ailleurs, demain, le samedi, il y aura des émissions qui vont vendre tous les candidats des AADC. Donc chaque candidat a collecté un média pour donner son plan d'action, son discours de campagne, okay, et même ce qu'il ira proposer à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Donc chaque base, ils ont déjà remué, ils ont aligné les candidats, ils ont fait la formation, ils ont vendu l'idée dans Bango. Donc AADC est déterminé cette fois-ci à donner majorité écrasante dans le président de la République, notamment tous un objectif Nabiso que Biso AADC Biso Moko, tu repères ça 222 députés. Vous allez comprendre. J'ai dit 222 députés nationaux AADC et au PSA Mokonzamboka. Na peuple congolais 222 députés, il faut retenir les chiffres. Ou le nombre 222 nationaux. Naina okangaka ga émission elle est l'autre sali elle est. 222 députés nationaux au PSA Mokonzamboka. 340 députés provinciaux. 340 députés provinciaux au PSA peuple congolais na Mokonzamboka. Biso AADC tokobimisa 48 sénateurs. AADC tokobimisa 48 sénateurs. Tokobimisa 12 gouverneurs. Vous comprenez? Tokobimisa 14 ministres provinciaux. Tokobimisa 12 ministres nationaux. Donc, on a un objectif. Oyo, AADC, Azanango Nzungu, Pe Ekokisama Pe Kabongo. Donc, Ezama Yasika, mais rendez-vous après les élections, Ndebokomona et à Télémé. Donc, je suis Nabiso déjà secret à AADC, Zalinini, parce que à une année et quelques mois, mais AADC, Lelo, ils allaient citer presque partout. AADC, Lelo, avec Madame Kabena, Lelo, Oyo, preuve, ils allaient qu'au Salema. Na kati ya République démocratique du Congo secret Zalini. Secret ezana nuye moko initiatrice ya parti wana Adèle Kabena azamo na mwasi oyo azana vision ya mulai azama yele makasi yango bazobenga ye grand pays amoni ndenge nini mboke zokende ndenge azana motema malamu azana motema ya pembe azana maboko ya pembe yango eloko nyonso ko simba il faut kende liboso yango atie AADC en place. Et puis, la stratégie, na ye, elle s'est fait entourer à ba jeune ebele. Elle s'est fait entourer na ba femme ebele. Yango wana l'une des raisons où c'est que AADC lelo ezo yokana. Je veux souligner ici que toza na ministre te, toza na député te, toza na sénateur te, toza na bourgmestre te, toza même pas na chef de rue. Mais au moins, AADC s'est implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce que Bisso, c'est le message. Le message du développement. Donc, faire ce que les autres n'ont pas fait, corriger, ok, ce que les autres ont mal fait. Voilà AADC. Et tout ça, la doctrine Abisso est basée sur le patriotisme. Vous allez comprendre. Et avec tout ça, AADC est un déliboso. Mais aussi beaucoup plus, c'est à cause aussi de celui qui gère le parti au quotidien. Le secrétaire général, Maître Eloy Koupa, un fin stratège. Vous voyez, le général des armées. Donc, un fin stratège, un clairvoyant, un bon organisateur, il s'est fait entourer aussi des jeunes. Tu vois, la jeunesse, c'est la nouvelle énergie, c'est cette impulsion, c'est la clairvoyance. Il y a un homme qui est AADC, et qui est Liboso. Mais beaucoup plus aussi, il faut que les gens partent au Nzambé, ils sont partis à Nzambé,
AADC est parti ya Nzambe. Nzambe alingi mingi AADC yango mona na ozomona na ton mkuse boye tozo sala ba exploit aujourd'hui AADC est en train sondage la semaine passée Isaki 4e parti politique donc 4e force na katia union sacrée AADC 4e force na katia union sacrée après UDPS AFDC MLC 4e position c'était AADC na ebitende nini ba sondage au kende les sous peut-être semaine prochaine ti Torosuka peut fin du mois Torokoma à niveau nini. Donc comprenez que AADC est en train de se placer dans l'orbite des grands partis politiques au point que Vision Nabisho Isaac est la première force politique à côté du chef de l'État. Mais déjà avant l'élection, AADC est la première force politique à côté du chef de l'État. Voilà pourquoi ils sont même capables, il y a copé ça y est, le peuple congolais, 222 députés nationaux, 340 députés provinciaux, 48 sénateurs, 12 gouverneurs, pour que tout changer façon à co-diriger Mboka afin que le peuple congolais a trouvé compte naïf. Voilà, na tonno mingi na balanimion sur ya Congo Live Télévision na bandi ete mokolo elelo zalaki mokolo moko bien arrosé parce que to kolo ba ete Congo Live Télévision cœur de l'information to kokota ka partout na pesi mbote vraiment mingi et puis merci na ba diaspora nyonso ba kolanda Congo Live na ba continent nyonso et puis na ba pays nyonso ezali kolanda mana bisika nyonso Congo Live kokota ka ti même na présidence merci na ba conseillons sur la présidence sur ba coutine de la biso ba message d'encouragement et toko sala mosala toujours kitoko pour na ko talisa misala no chef de l'état ali ko sala pour na ko la kisa été mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo les chouchous ya tous les congolais na bandi été lelo oyo ba congolais ba zo ki li bakou ya kolanda yo mwana mboka trésor kalala caméra yango wana message ni ko pesa na ba congolais nyonso. En fait, un message que nous avons reçu congolais, c'est qu'il faut tout lingambo kanabiso. Il faut une conscience collective, n'est-ce pas, président de la République à Lubaki. Congo est en akati aba enjeu ya makasi. Congo est au traversé virage moko ya makasi na ta otozo vivre. Parce qu'il faut noter que le Congo va faire vivre le monde na 21e siècle. Le Congo, c'est l'enjeu du 21e siècle. À travers sa forêt, à travers ba cours d'eau naïe, à travers les minéraux du moment, notamment coltan, na ba eloko ba osala nango nini ba batterie, lithium. Donc ce sont des matières où on attend forêt, maïs, minéraux wana pour faire vivre le monde. Alors ba matière wana ezala Congo. Toutes les grandes puissances bazana misu na bango rivé sur le Congo. D'où congolais se retirent na distraction. Ceux qui tous se diviser, nous risquerons de perdre ce pays et nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Alors, pour protéger notre souveraineté, pour protéger nos richesses, pour protéger la position équipée dans le monde, les lots, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de la paix. Et ici, je profite de l'occasion pour condamner le discours sur les séparatistes. Makamba sizo makamba kokote la babikolo mususu na bandako otobo mabango o bangote bangote en tout cas makamwana tozo boya yango tozala unis tous derrière le président de la République commandant suprême pour que to longa bitumba wana enfin que to tika mboka na biso na kimia. Voilà na bandi ete ezali mbala ya sukate mwana mboka tazo ka kala na kati ya Congo Live Télévision ba landi ba kozala susu na posa na yo pote na mikolo oyo tozali kokoma formation pe actualité ni surtout ko kala suko partager et bongo na pesio merci na ndenge ndima ki invitation na biso na kati ya Congo Live Télévision. Merci mingi na yo, merci na ba technicien, merci na balandi nyonso, balandi biso na isika. Voilà, tokuta na mikolo ezali koya na numéro mususu pe na invité spécial mususu pote to kabola sou ba sujet ezali na kati ya République démocratique du Congo botika na malamu. Thank you.